Et salut tout le monde, c'est The Cozy Commando du 9 et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo. Donc c'est pour la présentation de mon mock Lego Hobbit, voilà. Donc c'est pas un mock castle en même temps, c'est juste du Hobbit, donc c'est mon premier. Enfin qui est juste Hobbit. Donc parce que j'avais eu quelques personnages, enfin 3 orques. Enfin je crois pas que je vous avais dit que j'avais acheté ça et j'ai acheté pas mal de trucs là. Vu qu'il y a... Il y a eu à moitié une foire à côté de chez moi et donc j'ai pu acheter des trucs. Donc je vous montrerai ça soit dans la prochaine update, soit un peu aujourd'hui, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est un mock sur 4 plaques vertes. Donc ça fait assez grand, plutôt joli. Donc avec une partie montagne, donc je dis que c'est une montagne qui est pas très loin d'Erebor. Avec un ancien avant-poste nain. Donc là on voit ils ont un peu changé la montagne. Ils ont mis quelques murs. Donc elle fait, je sais pas, je pense qu'elle doit faire 30 ou 25 cm. C'est pas très grand. Mais j'ai utilisé beaucoup de pièces par contre pour la faire parce que ça prend vraiment beaucoup de pièces. Donc après il y a la partie forêt, ici un peu pleine. Et là il y a une petite rivière qui passe. Donc il y a juste là. Donc ici il y a Gandalf. Philly, je crois, et là c'est Tilly ou c'est l'inverse, je sais plus. Lui, soit c'est Dory, je crois, mais ou ça peut être Dory, mais je sais plus trop. Je crois que c'est Dory ou Nori, je sais plus. Et Bilbon, voilà qui a sa tête apeurée. Donc, après, ici il y a 5 orques. Donc j'en avais racheté 3, donc ça m'en fait 5. Ça permet d'en avoir un peu plus. Ça fait un peu de meilleur mock, je trouve. Donc on va juste d'abord passer à la rivière. Donc voilà, assez grande. Je la trouve plutôt réussie. Moi enfin, j'aime bien comment ça fait avec un peu de sable et des buissons. Yep. Attendez. Hi. Merde. Donc voilà. Donc après il y a... Attendez. 4 grands arbres. Voilà. Et 2 petits arbustes où il y a les troncs d'anciens arbres. Donc les arbres, je les trouve vraiment réussis. Donc ici, il y en a un avec de la terre en dessous. Et les plantes, il y a des plantes, des stalks un peu partout. Un orc, ici, il y a un tronc. Qui est donc un orc qui est tombé soit par le vent, n'importe quoi. Donc il y a de la terre en dessous. Donc on voit, il y a des trucs cassés. Un arbuste qui pousse ici et une petite branche ici. Un autre orc, un arbre qui a été complètement explosé, où là il n'y a pas le tronc, un autre orc, ici pareil que là, un petit tronc et un arbuste, un autre arbre, donc qui est aussi très réussi je trouve, donc des orcs ici, qui arrivent en fait de la forêt, c'est là où soit ils patrouillent, soit ils ont un camp. Un autre arbre et encore ici un arbre que j'aime moins que les autres parce que je le trouve un peu moins beau mais qui est quand même pas mal. Donc voilà. Hop. Donc après on va passer à la montagne. Donc voilà comment elle est. Plutôt jolie. Enfin, franchement je trouve que j'ai plutôt réussi. Donc j'avais commencé le mock tout seul et je l'ai fini avec un de mes copains. Voilà. Donc ça en vrai c'est pas dans le film The Hobbit, mais c'est un peu un petit clin d'œil, enfin, c'est quand ils les suivent à moitié pour les rattraper à Lakeville, Toriel et Legolas. Bon en vrai ils se sont pas croisés, enfin je crois pas en train de combattre, mais là je les ai mis parce que ça faisait un peu comme dans le plan de la bande-annonce du 2, de The Hobbit 2, où ils se parlent Toriel et Legolas. Donc voilà. Donc la montagne, vraiment bien faite. Pas mal détaillée. Plusieurs couleurs de roche. Voilà. Donc voilà. Donc à l'intérieur, j'ai mis quelques trucs. Donc d'abord, il y a le sous-sol, vraiment sous. Avec la barque de Gollum, de l'eau. Donc on faut imaginer que là, ça continue. Une tête de mort. Gollum avec un poisson. Là-bas, c'est une toile d'araignée. Des champignons. Et donc voilà. Donc ça fait à moitié un pilier, mais c'est un peu naturel. Parce que c'est pas les nains qui auraient creusé ça. Donc après,
Là, c'est le début de l'avant-poste. Donc, on voit quand même qu'ils ont ici. On peut tailler la roche, mais pas ici. Enfin, ça faisait trop. Donc, là, ça fait un peu un escalier bizarre, vu que faut pas que ce soit trop régulier. Donc, avec un tonneau. Donc, ici, un nain mort. Mais j'ai pas de squelette nain. Enfin, même ça doit pas exister. Donc, j'ai mis lui. Avec une hache et un casque nain. Donc, c'est celui de Gimli. Un seau. Une araignée et quelques pièces, donc parce qu'ils avaient quelques pièces avec eux. Donc là, on voit à travers la fenêtre. Hop, donc voilà, je pense que c'est à peu près terminé. Je remonte quelques. Donc c'est un mât que pas. Enfin, sur quatre plaques vertes, c'est pas hyper grand, mais c'est quand même assez grand. Mais il n'y a pas trop de trucs à montrer vu que c'est. Surtout de la forêt et une petite montagne, donc voilà, donc c'est assez rapide. Donc là, c'est en slope. Donc voilà, je le trouve vraiment pas mal. Donc sinon, vu que j'ai un peu de temps encore, je vais vous montrer juste des. Pas tous les achats que j'ai fait, mais j'ai acheté ici, attendez. Donc là, trois mini-figurines. Donc le mécano. Mise au point. L'Iroquois, donc un indien. Et c'est pas une elfe, mais ça ressemble à moitié. Sauf qu'elle a pas les oreilles qui dépassent. Mais bon, je l'ai quand même acheté, je la trouve pas mal. Et j'ai aussi acheté ça, un canoë. Et après, d'autres choses, d'autres Lego, mais que je vais pas vous montrer vu que je sais même plus où ils sont. Donc je vous montrerai tout ça dans la prochaine update. Donc je sais pas quand je vais la faire. Donc j'espère essayer de la faire bientôt, mais là en fait j'ai pas trop de temps, enfin j'ai quand même pas mal de temps pour construire, mais pour filmer je remets tout le temps au lendemain, enfin voilà. Donc après j'oublie de filmer, donc voilà, je fais cette vidéo rapidement vu que après je dois en plus retourner au collège pour reprendre les cours, mais donc je la fais rapidement, donc voilà. Donc la pub, donc les Gogos, Captain Rex du 29 qui peut pas reprendre les vidéos pour l'instant parce qu'en fait il m'a expliqué qu'il a un appareil photo, donc un peu comme moi, mais ça marche pas pour mettre la carte SD, enfin la carte mémoire de l'appareil photo, donc la carte SD dans l'ordinateur, donc je sais pas quand il va reprendre, j'espère bientôt. Donc voilà, donc sinon. Puis bah aussi à Luke Lego France, Thomas Legoman, qui d'autre, je sais plus, donc voilà. Donc abonnez-vous à cela, à moi, mettez un j'aime, commentez la vidéo, c'est vraiment sympa quand vous commentez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!